Salut à tous, c'est Ubu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, hein, une vidéo sur Call of Duty Ghost. On va voir un petit gameplay à l'air sur la map Prison Break. Voilà, je vais jouer toute la partie, c'est la domination, hein, je joue toute la partie à l'air. Et je vais faire un ratio correct. Hein. C'est pas non plus une excellente partie, vous allez voir, hein, il y a des petits fails dans la vidéo, notamment un troll ou que je rate complet. Et à la fin, vers la fin, enfin, il y a des tirs qui sont pas très bons, quoi, hein, pas très précis. Mais on n'est pas là pour parler de gameplay aujourd'hui, on est plus là pour parler du changement de la team en fait. Car je vais passer de la liaison en fait. La liaison c'est maintenant terminé pour moi. En fait, on s'entraînait pas beaucoup. On s'entraînait pas, enfin, disons qu'on jouait ensemble, on jouait pas vraiment pour s'entraîner pour le Desarto. On n'était pas du 4 contre 4, on faisait pas beaucoup de scrims. Nous, on allait souvent on était sur le multi, on faisait de la domination, un peu d'SMD, on faisait un peu d'éclair, mais on jouait tout le temps 6 contre 6, c'est pas vraiment. On ne créait pas de règles, pas de stratégie. On optimisait plein notre jeu à fond. Voilà, on faisait pas tout ça, tout ce travail d'équipe qui est indispensable, je pense, pour aller plus haut, hein, pour avoir un meilleur niveau, tout simplement. Et voilà, on faisait pas assez d'efforts au niveau de l'équipe. Ces derniers jours, là, les concours, on s'était inscrit pour des concours aussi, des compétitions, c'était annulé. Je sais pas trop pourquoi. Et j'avais pas vraiment envie d'aller poser ces questions-là, pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça, pourquoi il y a ça qui va pas, faudrait mettre ça en place et tout. Pour ma part, c'était pas moi de faire ça. Hein. C'est à la personne qui gère l'équipe. Donc, je reproche rien à Blest, hein, il fait ce qu'il veut. Hein. C'est un très bon joueur, Blest. Il est super gentil, ça se passe très bien, hein, que ce soit avec lui ou n'importe quel autre membre de l'équipe. Je leur reproche rien du tout. Hein. Et moi, mon point de vue en fait de la compétition, j'ai vraiment envie de faire des compétitions, s'inscrire à pas mal d'ODC, de tournois, pour vraiment évoluer du côté e-sport. Et ce côté un peu aller jouer tous ensemble sur Call of, voilà, si pour faire ça à 4, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Quoi. Dans un premier temps, voilà. Et ben en fait, je vais recruter des personnes pour ma nouvelle équipe. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, je vais recruter des personnes pour former un clan. Donc, un clan à peu près 10 personnes, hein, mais un peu plus, c'est pas grave. Pour vraiment jouer ensemble, créer des affinités avec des personnes, voir leurs compétences et tout. Et dans un premier temps, le clan, c'est vraiment pour jouer ensemble, aller faire du clan sur Call of Duty. Voilà, pour pas rester sur le multi, quoi, aller faire du clan. Donc j'invite toutes les personnes avec un niveau moyen, faut pas être trop faible non plus. Hein. Et surtout, le principal, c'est je veux des personnes matures. Voilà. Je veux pas d'enfants qui piaillent dans tous les sens. Non, je veux des personnes adultes si possible, hein, qui ont minimum 16 ans. Je pense 16 ans c'est bien. Et voilà, qu'on s'entende bien, qu'on fasse des parties ensemble agréables, hein, qu'on puisse discuter de tout et de rien en restant une personne normale. Sans crier dans tous les sens, sans vouloir dire absolument ah, moi je veux faire ma KVM, machin et tout. Bon, voilà. Ça reste agréable à jouer, quoi. On prend du bon temps. Avant tout, là, sur la console, c'est pour s'amuser. Hein. Donc, faut que ça reste amusant. Donc, voilà, dans un premier temps. Et par la suite, après, former un roster donc, de 4 équipes. Hein. De 4 équipes, je n'importe quoi, de 4 personnes. Pour pouvoir justement aller en compétition. Et faire tout ce qui est. Bah, comment on faisait là hein. On faisait du Desarto, on allait sur Glory for Gamer pour les petits tournois, hein, que ce soit en 2v2, 2vs2, là, les tournois SMD, les tournois par équipe, hein, en 4 contre 4. Voilà, c'est vraiment mon ambition, moi, en fait, elle est vraiment du côté e-sport. Voilà, créer une team, un clan plutôt, pour jouer tous ensemble, et une team après pour aller en compétition. Quitte même à. Moi, quitte même à pas jouer hein, dans la team, enfin je sais pas trop encore, j'ai vraiment envie de développer ce côté-là et d'aller en compétition quoi. Faire aussi des scrims, hein, s'entraîner tous ensemble contre d'autres équipes, contre la Légion d'ailleurs pourquoi pas, hein, parce que j'ai rien contre eux. Hein. Moi je pars de l'équipe, je forme mon équipe, mais je leur ai expliqué que j'avais rien contre eux, hein, j'avais juste envie, c'était mon envie à moi. Et là c'était une de mes premières envies, hein, vous l'avez vu dans la vidéo des premières vidéos je crois où je suis sur Ghost. Que je voulais créer la team BCL. Bon, la team BCL, je suis passé à côté parce que le nom était plutôt fun et ça n'était pas assez sérieux pour former un roster. Donc voilà, ça sera la team la capture. Donc voilà. Ça sera la team, le nom du clan. Ce sera le clan capture et la team capture.
Et on voilà, je vais essayer de développer ça. On va faire, dans un premier temps, je vais juste créer un clan sur Call of Duty Ghost. On fera peut-être une petite page Facebook, hein, pour vous voir un peu l'équipe, les tournois et tout, pour mettre des informations sur le tournoi à venir. Hein. Faut qu'on ait un réseau où se retrouver. Il y aura du Skype aussi, on se mettra sur Skype. Donc après, voilà, tout ce que j'aimerais en fait pour les joueurs, que ce soit pour le clan, il faut être mature, avoir minimum 16 ans. Être disponible, après avoir disponibilité pour, juste pour le clan, il n'y en a pas vraiment. Hein. Vous venez jouer comme vous voulez, après c'est sûr, il ne faut pas venir jouer non plus 2 fois par mois. Hein. Faut être un peu, faut être là. Hein. Et après, pour tout ce qui est la team, pour le deserto et les compétitions, il y aura plus de critères. Donc il va falloir mettre une liste avec votre prénom, votre âge, l'expérience sur Call of, hein, donc depuis combien de temps vous jouez à Call of, à quel Call of vous avez débuté, les accessoires que vous avez, quand je parle d'accessoires, si vous avez tous un casque avec un micro, Skype à côté, un ordinateur à côté pour qu'on puisse avoir des conversations en dehors du jeu. Voilà, je donner des informations sur le jeu, enfin un truc comme ça. Après, le niveau que vous avez à peu près dans le jeu par rapport à Call of, vous mettez le ratio, vous mettez votre ratio. Sachant qu'il faudrait avoir un ratio d'un minimum, je veux au moins un. Il faut que vous ayez un. Si vous avez moins, c'est pas la peine. Je vous le dis tout de suite. Après, je sais que le ratio n'est pas important dans une équipe, mais il faut avoir un minimum quand même. Et je pense que ce minimum dans ce Call of, mais moi je suis au-dessus, hein, j'ai pas un gros ratio, hein, j'ai un 20. Non, je sais même pas si j'ai un 20. Je dois aussi. Non, j'ai moins, je crois. Un 125, un truc comme ça. Mais bon, un ratio de 1, 200, voilà. Ça va être la moyenne, quoi. Après, le poste que vous aimeriez bien jouer dans l'équipe, sachant que bon, il faudrait qu'on apprenne à se connaître pour jouer d'abord. Le poste viendra par la suite, mais c'était un poste préféré, je sais pas, que vous avez préféré jouer à l'AR, SMG, plus objectif player, plus défendre, je sais pas. Ah voilà, vous me le mettez, vous mettez toutes les indications que vous avez. Vous me rajoutez votre Skype bien sûr, votre PSN. Et puis voilà. C'est à peu près tout. Je pense que ça fait déjà une bonne liste. Hein, donc si vous arrivez à faire ça, ce sera déjà une bonne chose. Et puis voilà, après si vous n'hésitez pas non plus à en parler à des amis, hein, des collègues, des personnes que vous pensez aptes à rejoindre le clan, n'hésitez surtout pas. Après j'avais un petit mot à dire aussi par rapport à la Mirage. Donc à Gaël, voilà, je ne rejoindrai pas non plus ton clan. Hein. Je préfère créer le mien. Je n'ai rien non plus contre toi, hein, mais c'est quand même mieux d'avoir son clan, de gérer soi-même, je pense. Et puis regardez, ça fait une équipe en plus, hein, vous pourrez jouer contre ma nouvelle équipe, on pourra toujours jouer contre la Lison. J'espère vraiment que voilà. Ça, on restera en bon terme hein, avec les deux équipes. Moi je les aime bien, disons, elles sont tous bien. J'aime le robot, Dry, il y avait Deadman, hein, et Vest. C'est super bien passé avec eux, hein. On a passé des bons moments. Hein. J'espère qu'on jouera toujours ensemble. De toute façon, je leur ferai voilà, un petit coucou dans cette vidéo. Hein. Je mettrai même leur lien dans ma chaîne à chaque fois, enfin sur les vidéos. Hein. De toute façon, ils sont en lien, je crois, déjà en haut de ma page. Hein. Vous allez à droite. Il y a les liens de leur chaîne, vous invite à aller voir leur chaîne, ils font du très bon boulot. Dry n'a pas encore mis de vidéos sur sa chaîne, je pense que ça arrivera bientôt, hein. C'est parce qu'il n'a pas le matériel nécessaire pour enregistrer encore. Mais voilà, continuez à les suivre. Allez voir aussi la chaîne de Gaël Cam, il fait plusieurs jeux lui d'ailleurs aussi. Il fait du Minecraft en ce moment, je regarde un petit peu parce que Minecraft c'est pas mon fort, enfin j'ai jamais joué en fait. Mais ça a l'air intéressant, mais bon, je pense que je vais passer. Bon, vous le savez, les prochains jeux que j'attends, ça sera sur la Xbox One. Ça sera Titanfall. Et voilà, Titanfall, je vais jouer comme ça un petit peu à côté. Hein. Je pense que tout le monde doit se dire, ouais, il va laisser la PlayStation, il jouera plus. Non, non, Call of, je jouerai encore. Call of, j'ai toujours aimé. Hein. Ça sera toujours un jeu, je pense, que je vais acheter. Même si là, Source Ghost, c'est pas le meilleur, quoi. Mais bon, je vais y jouer, hein. Je vais continuer à y jouer. Je prendrai du temps pour Titanfall, un peu de temps pour Titanfall et un peu plus de temps pour Call of Duty. Et toujours du temps pour faire cette vidéo aussi. Et on va essayer d'en faire un maximum cette année 2014, hein, de bien développer la chaîne. On va bientôt arriver aux 100 abonnés, j'espère. Ce sera l'occasion de faire quelque chose de spécial. Et vous avez promis un concours et il y aura un concours. Il y aura un concours, ça sera sur. Non, je vous dirai. Ce sera la surprise le jour des 100 abonnés. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, hein, partagez-la un maximum. Pour ce recrutement justement, partagez-la un maximum sur les réseaux sociaux, entre vous, avec vos amis, parlez-en. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime. Vous pouvez m'envoyer toutes les candidatures hein, pour les
par rapport à la team, vous mettez soit dans les commentaires, soit vous m'envoyez par mail. Donc le mail c'est uubu73@hotmail.fr. Il y a mon Facebook aussi, qui sera noté dans la description. Et puis sur le mail de mon compte Gmail, là, pour la chaîne YouTube, normalement je regarde tout le temps. Donc j'aurai votre message quoi. Donc le gameplay va bientôt se terminer, je crois. Attendez, je regarde. Oh, il reste encore un petit peu. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai déjà une personne qui est dans la team. Dans le clan. On va dire le clan capture. Je vous la présenterai par la suite. On fera une petite vidéo quand il y aura un peu de monde sur la team. Hein. Sur le clan, pardon. C'est plus un clan qu'une team. Non, c'est une team. Hein, donc, la team capture. Donc on en fera une vidéo de présentation de chaque joueur, je pense, s'ils le veulent. Une vidéo de présentation aussi du roster, pardon. J'ai un peu de mal à parler. C'est la fin de la journée, on est dimanche. Il est 19h30. Et la fatigue se ressent un petit peu. Mais c'est rien. Bonne nuit de repos pour aller au boulot demain. Si je suis pas la motive. C'est bien mieux de jouer, rester chez soi, à jouer, à faire ces petites vidéos. Comme ça on est tranquille. Mais il fallait travailler. Mais oui, c'est comme ça que je me paye mon Sibaya V2 avec mon Mix M8. Je dis ça pour Jimouskiller qui me dit « Ouais, mais l'argent, toi, chez toi, ça pleut, ça tombe du ciel, ça tombe des montagnes. » Non, non, je travaille. Pour tout le monde qui se dit « Ouais, va acheter une PS4, une Xbox One, Sibaya V2, casque et tout. » Mais je travaille, hein, je travaille en plus à côté de mon boulot. Donc voilà, c'est l'argent que je mets de côté. Hein. Et, j'aime me faire plaisir, en fait. Donc, je mets l'argent de côté, et au moins, dès que j'ai besoin de quelque chose, et ben, je peux me faire plaisir. Voilà. Et ben c'est la fin de ce gameplay, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire. Et puis, pardon, j'ai un jeu avec ce stylo. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement sur la chaîne YouTube. Et je vous dis bonne soirée ou bonne journée et à plus. Ciao!